Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qui se passe Tu fais faire des travaux Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments. Ah bon Tu ne fais rien toi-même Non. Je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça. Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit. Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaie de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée. Un ordinateur en panne. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur, alors que je l'ai acheté il y a deux mois seulement. J'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données Oui, heureusement. J'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort. Hein ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu. C'est incroyable. Euh, pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. De brillants scientifiques. Alors Simon, tu as écrit un nouvel article Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique Ah, ben cette famille. Si le papa sort de centrale, le fils fera Polytechnique et la fille les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences. C'est cela Pourquoi pas Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche. Quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins un kilo. Quelle horreur, ma chérie. Oh, ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris un kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles euh, Tu crois que je dois me changer Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment L'ami de Julie Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a Je ne sais pas. Il a une trentaine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens. <laughs> Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. <laughs> et Julie <laughs> Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier Oui. À vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec trois enfants Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Les vacances à la ferme. Alors, Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme Toi qui n'aimes que la ville et les musées Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud. Ils s'amuseront avec les canards, euh, ils donneront à manger aux lapins. <laughs> j'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras ah, Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, euh, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop Je passerai ma vie au téléphone. <laughs> non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, <laughs> même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Si on préparait un bon dessert. Si je préparais un dessert pour ce soir. Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande, par hasard Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Euh, si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûr que le four marche bien On dirait que ça ne cuit pas bien Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, mais ce sera le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Bria Savarin Oui, bien sûr un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et carême! Quel nom hein Qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles Quel beau spectacle. Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce Excellente. La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler, et puis cela euh, m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage. Si j'avais su... Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir Pff, En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allés voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elle s'intéressait tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le 7e art. Elles auraient aimé voir un film classique, avec Jean Gabin ou Arletti. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'arrêt d'essai, qui se trouve à côté de la fac. Il passe toujours des films d'auteur. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. La langue de bois Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui Que s'est-il passé Le ministre a donné une conférence de presse finalement Oui, il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi. Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait. Qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Une revue indépendante. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose, et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise, et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue, libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinion complètement différentes, des articles sur des sujets dont on ne parle jamais, des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Hmm. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour trois semaines. Oh, tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les deux par la main. Alors, Colette, ça va Ton voyage s'est bien passé bah, Pas vraiment. D'abord, j'ai eu un contretemps avant de partir, car ma fille a perdu les clés de la maison. J'ai dû m'occuper de tout cela, puis j'ai essayé de prendre l'avion. Essayer Mais oui Tu te souviens de la tempête qui a commencé jeudi matin C'était ce jour-là que je devais partir. Je suis allée à l'aéroport, mais évidemment, tous les vols ont été annulés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement eh bien, j'ai attendu le soir pour partir. La réunion a été reportée au lendemain. Alors, Héloïse, est-ce que tu es contente de ton travail Oui, mon nouveau travail me plaît beaucoup. En fait, j'ai eu une promotion récemment. Je suis devenue responsable des achats. Qu'est-ce que cela change pour toi Oh, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Avant, je devais simplement m'occuper des clients, puisque j'étais vendeuse. Maintenant, je regarde les différentes collections, je choisis les modèles. Tu deviendras peut-être styliste, non Eh bien, Virginie, je t'avoue que je me suis mise à dessiner quelques vêtements sur le papier, comme ça. Racontez-moi ce qui s'est passé mercredi dernier. Eh bien, j'étais dans l'entrée de l'immeuble et j'attendais l'ascenseur quand j'ai entendu du bruit dans l'escalier. C'était Monsieur Duroc, du troisième étage, avec des gendarmes qui le tenaient fermement. Ils n'ont rien dit et ils sont partis à toute vitesse. Monsieur Duroc Ça alors Mais il avait l'air si gentil. Ah oui mais j'ai appris par madame Gomez qu'en fait, c'était un dangereux criminel. Il a assassiné plusieurs personnes, mais pas ici, dans une autre ville. Je n'arrive pas à le croire. Vous imaginez qu'il vivait à côté de nous Tout le monde le connaissait, il appréciait. Je le voyais presque tous les matins, on se disait bonjour. Cela fait froid dans le dos quand on y pense. Oui. Apparemment, il a été reconnu par une de ses victimes qui a réussi à s'échapper. Je ne sais pas s'il a déjà avoué tous ses crimes, mais on dit qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il a commis aussi beaucoup de cambriolages. Philippe, tu sais que j'étais invitée à la fête de Clément Oui, Adèle, tu m'en as parlé rapidement. Si je comprends bien, ça ne s'est pas bien passé. Non, ce n'était pas très réussi, car Laurence et Justine se sont encore disputées. Ne m'en parle pas, il est vrai que ces deux-là sont rarement d'accord. Pourquoi est-ce que Clément invite Justine puisque le résultat est toujours un conflit avec Laurence Figure-toi que je le lui ai demandé. Son objectif était de les réconcilier. <laughs> C'était plutôt raté. À part ça, de quoi avez-vous parlé pendant la soirée Bon, de tout et de rien, de cinéma et de politique, bien sûr. Mmh. Sur ce sujet, je suppose que tout le monde était du même avis. Oui, Philippe, là, il n'y a pas eu de polémique. Je me demande pourquoi Serge a été si agressif hier soir. Je crois que c'est à cause de Roland qui est tellement charmeur. J'ai l'impression que Serge est jaloux, tout simplement. Du coup, il devient désagréable par jalousie. Mmh, puisque tu connais si bien toutes ces personnes, est-ce que tu peux me parler d'Eustache Eustache, c'est quelqu'un de très calme, mesuré, intègre. Souvent, on ne l'entend pas dans les soirées. Comme il réfléchit des heures avant de parler, il rate les occasions et ne dit rien. Vu son intelligence et sa culture, c'est dommage car on aimerait bien connaître son opinion. C'est vraiment amusant d'observer les caractères. La femme d'Eustache est si ouverte et communicative. Rien à voir avec son mari. Virginie, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire Oh oui, beaucoup. J'ai décidé d'étudier sérieusement le XXe siècle, depuis le début de la Première Guerre mondiale. C'est passionnant, tant de choses se sont passées. Oui, mes grands-parents me racontent tout le temps ce qu'ils ont vécu, et je commence à comprendre pourquoi ils sont si marqués par la guerre, par exemple. Quand tu dis la guerre, tu veux dire la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Oui, Romain, évidemment. Ils ont envie de transmettre leur expérience. Un jour, je te raconterai ce qu'ils m'ont expliqué. Oui, j'aimerais bien. Tu sais s'ils ont encore des documents, des photos d'époque? Je crois que oui. Je leur demanderai de nous les montrer. Heureusement, ils acceptent de parler de leur vie quotidienne, de ces détails qui sont si difficiles à imaginer. Adèle, tu vas souvent marcher aux puces, non? Oui, j'adore ça. Dans n'importe quelle brocante, je découvre des merveilles. Ah, tous ces objets me font rêver. Certains ont accompagné la vie d'une personne, d'autres sont passés de main en main. Ce sont des histoires qui se cachent derrière chacun d'entre eux. Moi, les vieux objets me rendent triste je préfère la nouveauté. Ça se comprend aussi. Mais un jour, Valentine, j'aimerais te faire partager ma joie de collectionner les objets. Le mois dernier, par exemple, j'ai acheté toutes sortes de bibelots extraordinaires. Quoi, par exemple Eh bien, j'ai trouvé un vase en porcelaine et une boîte ronde en bois très léger. J'ai aussi repéré quelques meubles, mais ils sont trop encombrants pour notre petit appartement. À quoi te serviront tous ces objets À rien. Juste à me faire plaisir C'est curieux, Alain va diriger une équipe de chercheurs en biologie, alors qu'Eric est un meilleur spécialiste de la question. Je ne comprends pas ce choix, même si je sais qu'Alain est assez compétent. Ah, N'oublie pas qu'après avoir passé sa thèse, Eric a quitté le laboratoire pour partir à l'étranger, alors qu'Alain est resté là malgré les difficultés. Le choix d'Alain est certainement destiné à récompenser sa fidélité. De plus, il a publié des articles très importants dans son domaine. En revanche, il n'a pas encore dirigé d'équipe. Ce sera sa première expérience. Tu as peut-être raison. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la question. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment? Eh bien, je suis en pleine préparation d'un colloque en septembre. J'ai trois articles à finir et deux grosses expériences à conduire, sans compter les tâches administratives. Maman, comment tu t'habilles pour ce soir Oh, je vais peut-être me changer. Tu ne restes pas en jean Ah non, je vais me mettre en jupe. Peut-être la turquoise qui me va bien, je trouve. Tu l'avais déjà mise la dernière fois, non tu pourrais changer et mettre la noire. Oui, mais elle est trop habillée et trop courte. À mon âge ce serait ridicule. Maman, tu n'es jamais ridicule. Tu es toujours chic. En plus, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Cette jupe noire te va parfaitement bien. Tu es adorable, ma chérie. Et quelle écharpe est ce que je vais mettre alors? La verte. Elle sera assortie à tes yeux. La vie de Romain Gary est un roman. Roman Katsef naît le 8 mai 1914 à Vilno, l'actuel Vilnius. Élevé par sa mère, qui est russe, il passe une bonne partie de son enfance à Varsovie, où il apprend le polonais. En 1928, la mère et le fils viennent s'installer en France, à Nice, où le garçon est scolarisé en français. Après avoir obtenu son bac, il commence des études de droit à Aix-en-Provence puis à Paris. En 1938, il accomplit son service militaire comme aviateur. Révolté par la défaite de juin 1940, il décide de continuer à se battre et de partir en Angleterre. Il n'y arrivera qu'au bout de deux ans, après diverses péripéties, en particulier en Afrique du Nord et en Égypte. À Londres, il mène une véritable double vie. D'un côté, il s'engage auprès du général de Gaulle dans les forces françaises aériennes libres comme copilote. D'un autre côté, il choisit son nom de plume, Romain Gary, et publie son premier roman, Éducation européenne. De retour en France après la guerre et ses actions héroïques, il entre dans la carrière diplomatique. Parmi les divers postes qu'il occupera, mentionnons la Bulgarie, l'ONU, la Bolivie et finalement la Californie. Il écrit de nombreux romans et obtient en 1956 le prix Goncourt pour Les Racines du Ciel. Au début des années 60, il rencontre Jean Sieberg qu'il épouse, quitte la carrière diplomatique et rentre à Paris. Dans les années 70, il est apparemment affecté par le succès d'un écrivain qui publie sous le nom d'Émile Ajar et qui est un cousin éloigné. Émile Ajar écrit La Vie devant soi, roman pour lequel il obtiendra le prix Goncourt en 1974. Le 2 décembre 1980, après avoir achevé son dernier livre, Les Cerfs volants, Gary se suicide. Peu après la mort de l'écrivain, son éditeur révèle qu'Émile Ajar et Romain Gary n'étaient qu'une seule et même personne. Tu connais Maxime Oui, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler. C'est un cousin d'Eléonore, je crois. Oui, et figure-toi qu'il va se remarier avec Sonia. Tu sais, la dame dont je garde le chien quand elle part en vacances. Ah bon C'est bien. Sonia a déjà des enfants, non Elle n'a qu'une fille dont elle est très proche, mais qui est déjà grande. Et les enfants de Maxime ont bien réagi Plus ou moins. Sa fille ne pense qu'à ses études et ne s'intéresse pas beaucoup à son père. Son fils, en revanche, dont le caractère est complètement différent, a l'air à la fois heureux et un peu inquiet. C'est normal. J'espère que les trois enfants vont bien s'entendre. Colette, quand est-ce que tu iras chez tes cousins en Provence Si tout va bien, je partirai dans 15 jours. Ce sera beau à cette période de l'année. Oui, ce sera magnifique. Quand je serai là-bas, je crois que tous les arbres fruitiers seront en fleurs. Tes cousins sont fermiers, non Oui, mais ils n'ont que des poules et des canards. Ils sont aussi cultivateurs et ils ont des champs de fraisiers et toutes sortes d'arbres fruitiers comme partout en Provence. Qu'est-ce que tu feras Tu t'occuperas des animaux Tu aideras tes cousins je ne pense pas. Quand je viens, mes cousins n'aiment pas trop que je me mêle de leur travail, car je n'y connais rien. Je crois que je passerai beaucoup de temps à me promener. Je n'aurai que ça à faire. S'il fait assez beau, je ferai des randonnées, puisque la montagne est tout près. Si nous invitions Héloïse et Romain à dîner. Oui, mais à la bonne franquette, car je n'aurais pas le temps de préparer un grand dîner sophistiqué. Dans ce cas, on pourrait faire un pot-au-feu, ils adorent ça. Bonne idée. C'est un peu long à cuire mais facile et rapide à préparer. Et comme dessert Je ferais volontiers une mousse au chocolat, mais c'est peut-être un peu trop lourd. Oui, mais c'est si bon Et tu l'as réussi tellement bien. On pourrait aussi préparer une salade d'orange s'il préfère quelque chose de léger. Il ne faudrait pas oublier le fromage. Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil, disait Bria Savarin. Dans ce cas, tu devrais passer chez notre fromager. En ce moment, il vend un camembert au lait cru absolument délicieux, bien moelleux. Mmh. Mmh, on va se régaler. Alors, j'appelle nos amis C'est dommage, j'ai raté l'opéra. J'aurais bien aimé le voir. Moi aussi. Si j'avais su, j'aurais noté la date dans mon agenda. On y serait allés ensemble c'est bête, j'ai dû partir en voyage pour mon travail, et quand je suis revenu, cela m'est sorti de l'esprit. J'ai entendu dire que la mise en scène était assez bizarre, mais que les chanteurs étaient excellents. Oui, c'est souvent le cas. Il est rare de tout avoir en même temps. Parfois, ce sont les costumes qui sont splendides, mais pas les décors. Ou alors, les chanteurs chantent bien, mais jouent mal. Romain, tu aurais dû être critique de théâtre. C'est surtout que j'aurais adoré devenir chanteur d'opéra. Mais malheureusement, je n'en avais pas le talent, ma chère Virginie. Si tu avais continué dans ton cœur d'amateur, peut-être serais-tu devenue célèbre. Maintenant que je suis en vacances, je vais enfin pouvoir lire la presse tranquillement. Oui, c'est vrai. Nous sommes abonnés à un journal et deux revues, mais tu ne les lis jamais. Je regarde rapidement la une et c'est tout. En revanche, depuis que je prends ma voiture pour aller au bureau, je peux écouter la radio. Oui, il y a des interviews intéressantes parfois. Ou de la langue de bois. Hier, par exemple, la journaliste a demandé à un ministre quand il répondrait enfin à la question. Le ministre a immédiatement prétendu qu'il avait déjà parlé de ce sujet, etc., etc. Étienne, et tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour cette raison que je préfère la presse écrite. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de substance dans les éditoriaux, les analyses et les reportages écrits. Cela dépend des journaux, mais je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Nicolas est un grand nerveux. Tiens, ce matin, j'ai aperçu Nicolas dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Ce sont des tics il est nerveux comme tout, cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Tout à l'heure, il a fait tomber deux dossiers. Je l'ai aidé à les ramasser, mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. <laughs> Charmant personnage. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne sert la main à personne. Pourtant, en France, c'est une habitude, surtout entre hommes. Quel contraste avec sa, sa femme, toujours raide, qui se tient droite comme un I. Ils ne sont vraiment pas pareils, tous les deux. Oui, mais au moins, il est intelligent, tandis que sa femme est bête comme ses pieds. Tiens, hier soir, en rentrant à la maison, j'ai rencontré Béatrice, qui emmenait ses enfants au théâtre. Sa petite fille est mignonne comme tout. Elle ressemble beaucoup à sa mère, tu ne trouves pas Oui, j'ai remarqué. Et je l'ai vue une fois en allant à la boulangerie. C'est vrai que cette petite est jolie comme un cœur et est plutôt calme. Son frère, en revanche, est du genre plutôt agité. Ah bon Ça ne m'a pas frappé. Il ne remuait pas particulièrement. Mais il est vrai que Béatrice les tenait tous les deux fermement par la main. Vous avez parlé un peu Non, nous nous sommes juste serrés la main. Ils étaient pressés. Et moi, j'avais tellement mal à la tête que je me suis couchée en arrivant à la maison. Ils vont être fous de joie. Il faut absolument que je fasse les réservations pour les vacances. Ce serait bien que nous puissions louer le chalet que j'avais repéré à Verbier. Oui, et j'aimerais bien qu'Alice et Laurent viennent avec nous. Ce sont d'excellents skieurs, et là, ils seraient fous de joie. Et puis Laurent, qui est Canadien, a un peu le mal du pays. Cela lui ferait plaisir de passer des vacances à la neige. Certainement. L'année dernière, j'avais été déçue qu'il n'ait pas la possibilité de nous accompagner. J'espère que cette fois-ci, ils seront disponibles. Cela m'étonnerait qu'ils ne prennent pas de congé en février. Tiens, je vais les appeler. Colette est tout émue. Qu'est-ce que tu as Je te vois toute pâle. Non, ce n'est rien, j'attends un coup de fil de Philippe et, et je tremble comme une feuille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je, je suis toute émue, je n'arrête pas de penser à lui. Maintenant, tu es toute rouge. Eh bien, moi, cela ne m'étonne pas du tout que tu sois dans cet état, ma chère Colette. Tu veux que je te dise ce que j'en pense Tu es amoureuse, tout simplement. Tu crois À mon âge, mais, mais qu'est-ce que mes enfants vont dire Quoi, à ton âge? Tu es belle, tu es libre, puisque tu es divorcée, et Philippe aussi est seul. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tes enfants voudraient bien que tu sois heureuse, et non plus déprimée et triste comme l'année dernière. Oh, tu as peut-être raison. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé quelque chose pour un homme que cela me bouleverse. Et lui, est ce qu'il te manifeste de l'intérêt? Oh, je crois, je. Je ne sais pas, je. Allô Oh C'est Philippe Dis-moi, Romain, est-ce que tu as eu des nouvelles de Léon Non, et cela m'énerve qu'il ne réponde pas au message. Si Antoine veut que nous fassions une réunion, il faut que tout le monde sache si Léon vient ou non. Il est possible qu'il soit en vacances, non Non, pas du tout Antoine souhaitait que nous soyons tous là cette semaine, y compris Léon. Tu ne l'aimes vraiment pas, hein? C'est vrai que je n'éprouve aucune sympathie pour lui. Je sauterai de joie le jour où il prendra sa retraite. Allez, Romain, ne t'énerve pas. Tu es toujours trop émotif. Je ne suis pas émotif. Je suis simplement expressif. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du maquine? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais, de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Oh, c'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé. C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Les prix littéraires. Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important. À part le prix Nobel de littérature, qui lui est international. Ah, Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Eh bien, tu as le prix Médicis, par exemple. Qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant, ou encore le Prix Femina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français conservaient cette passion pour le livre et la littérature, et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le Prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus. Duras ou Benjeloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Je trouve bizarre que Roland ait arrêté de faire de la photo. Il a déclaré qu'il ne photographierait plus rien et qu'il n'avait plus aucune envie de continuer. Je suis d'accord avec toi, Colette. C'est dommage qu'il n'ait jamais été persévérant, car il ne manque pas de talent. À mon avis, ses photos mériteraient une exposition. Cela lui redonnerait peut-être le goût du travail. Justement, Valentine, j'avais pensé parler de lui à la propriétaire d'une petite galerie d'art. Ce serait bien que nous puissions convaincre Roland de rencontrer cette dame. Le problème est qu'il n'accepte plus aucune invitation. Quel ours Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Ah, les artistes ne sont pas toujours faciles à vivre. Au moins, je suis contente qu'il ait décidé de se mettre à la peinture. Qui sait Il deviendra peut-être un grand peintre, à défaut d'être un photographe célèbre. La crise d'adolescence. Alors, comment va ton fils Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Oh, le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac Doué ou paresseux Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac Écoute, tonton, d'abord c'est la rentrée. Je suis en terminale. Je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non Je ferai peut-être une grande école. Laquelle Celle qui me permettra de faire des maths. Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu. Je suis bien contente, ma fille a eu son bac. La mienne aussi. La période a été difficile, mais enfin, elle va pouvoir entrer à la fac. Qu'est-ce qu'elle va faire comme étude celle qu'elle a toujours voulu faire, histoire et archéologie, c'est sa grande passion. Une fois qu'elle se sera inscrite et qu'elle aura commencé ses études, je serai plus tranquille. C'était une enfant difficile, tu le sais. Et ta fille Elle est toujours déterminée à faire Sciences Po, c'est son rêve. Cela étant dit, elle peut encore changer d'avis. Quand elle aura vu la somme de travail que cela représente, elle voudra peut-être s'orienter vers une autre filière. Elle est sérieuse, mais pas si travailleuse que ça. Au moins, nos deux filles auront toujours eu une vraie passion, la politique ou l'archéologie. Ce n'est pas si courant chez les jeunes. Avare ou généreux Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Mmh, je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. Et c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents Ce sont des gens aisés, ils n'ont pas de problèmes financiers. Ils ont déjà fait le tour du monde. Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leurs richesses avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. La ruine Tu as entendu Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus, donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leurs dettes, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie, et sa femme également. Ma banque me propose des quantités de placements plus ou moins avantageux. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre leurs conseils. À vrai dire, je suis la personne la moins compétente dans ce domaine et je ne sais pas quoi faire. Je te comprends, Zora. Pour ma part, je fais ce que mon banquier me conseille, à la condition qu'il m'explique bien lentement et bien clairement de quoi il s'agit. J'ai parfois l'impression qu'il me prend pour un idiot. Mais tant pis. Cela dit, je ne crois pas qu'il en sache beaucoup plus que moi. Je suis d'accord avec toi, Boniface. Je lis tellement d'opinions différentes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire que cela m'est égal de ne pas être experte. De plus, je ne suis pas pauvre. Mais je ne roule pas sur l'or. Il est évident que je n'ai pas de fortune à perdre, c'est le moins qu'on puisse dire. Une retraite bien occupée. Alors, Simon, qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras à la retraite Oh, mais je ne manque pas de projet. Je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris de rénover toute la maison pour y vivre confortablement et pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent s'y sentir à l'aise. Ainsi comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Ton travail ne te manquera pas Oh non, certainement pas. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, hein, mais j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves de jeunesse. Lesquels Je me souviens que tu ne pensais qu'à devenir pilote de course. <laughs> Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde Il ne me manquait que le temps et l'argent, tout ce que j'aurais à ma retraite. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui, Philippe, mais pas en même temps, bien sûr. Je commence à réfléchir à un itinéraire fabuleux. Cette fois-ci, c'est décidé. Je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je vais me mettre au sport. Et sérieusement cette fois-ci. À mon avis, c'est juste une bonne résolution de nouvel an. Si je ne me trompe pas, tu abandonnes en général la moitié de tes projets, ma chérie. Tu es dure. Je reconnais que je manque un peu de persévérance. Mais là, c'est décidé. Je m'inscris à un club de gym. Voilà qui est impressionnant. Quand est-ce que tu comptes le faire La semaine prochaine. Ah, je vois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu sais, Colette, sur un coup de tête, j'ai pris la décision de déménager. Les enfants sont grands, et maintenant, j'ai enfin un peu de liberté. J'ai trouvé une maison qui me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Elle se trouve en pleine campagne. Elle est magnifique. Mais il y a des travaux. Valentine, la ville ne va pas te manquer Entre la banlieue où tu vis maintenant et la vraie campagne, il y a une différence Je ne sais pas si la ville me manquera. Mais en faisant ça, je réalise mon rêve. J'espère que ce ne sera pas un échec. Je vais te montrer des photos pour que tu puisses me donner ton avis. Ah oui, elle est superbe. Pas en très bon état, mais pleine de charme. Tu as bien choisi. Et puis après tout, qui ne risque rien à rien. Quand est-ce que tu comptes emménager Dans quatre mois, je pense. Alors, il te reste un peu de temps pour profiter de la ville. Tu ne veux pas aller au cinéma pour voir un bon film À la boulangerie-pâtisserie. Madame Bonjour, madame. Je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci, euh, je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Mm -hmm. À la poste. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire En um, um, prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 euros. Il vous faut autre chose Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbre pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres <laughs> Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. Je oh, ne sais pas où faire. Alors donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 euros. Au marché. Bonjour madame, vous désirez. Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci Je vais prendre aussi quatre pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout Non, je voudrais aussi un peu de persil. À l'épicerie. Alors, il me faut du jambon. Du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais une, un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi quatre tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre deux bouteilles d'eau plate. Dans une papeterie. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez mettre combien oh, Je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien 75 euros, monsieur. Uh -huh. euh... Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir Bien sûr. Il fait 32 euros. Et ce stylo bleu là Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors je vais prendre le bleu. C'est pour offrir Oui, s'il vous plaît. Chez le poissonnier. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes Pour six personnes. Pour quel jour euh, Samedi, en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom Vignon. V-I-G-N-O-N. Hmm. Qu'est-ce que vous préférez Alors, Un plateau classique à 20 euros ou un plateau mélangé à 30 euros Quelle est la différence dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. Mmh. Un plateau classique me semble très bien. Au café. Monsieur, vous avez choisi Oui, je vais prendre un menu à 12 euros avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment Un point, s'il vous plaît. Et comme boisson Un demi s'il vous plaît et une carafe d'eau. Ça a été Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace Qu'est-ce que vous avez comme glace Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille, chocolat s'il vous plaît. Un café Oui, un café et l'addition. À l'hôtel. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir s'il vous plaît Une chambre pour deux personnes Vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits Avec un grand lit s'il vous plaît. Alors nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 euros. Le petit déjeuner est compris Non monsieur, le petit déjeuner est à 8 euros par personne. Très bien, je prends la chambre. Mmh. C'est à quel nom au nom de Mercier. M-E-R-C-I-E-R. -E vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît Bien sûr, je le fais tout de suite. À la gare. Bonjour, madame. Je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour quelle destination eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Euh, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Un départ entre 7h30 et 8h, c'est parfait. 7h41 alors. Arrivé à Lille à 8h45. Attention, vous arrivez à l'île Europe, pas à l'île Flandre. D'accord. L'île Europe, ça me va très bien. Pour le retour, à partir de 15h, vous avez un TGV toutes les heures. Vers 18h dans ce cas. Mmh, 18h11. Arrivé à Paris-Nord à 19h47. Première ou seconde Seconde. Vous avez une réduction Étudiant, par exemple Malheureusement, non. <laughs> Alors, ça fait 92 euros. Vos billets sont échangeables et remboursables jusqu'au départ. Dans une boutique de vêtements. Bonjour, madame. Je peux vous aider Non, merci. Je regarde. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît Ah oui, madame. Les cabines sont au fond. Alors, ça va Non, pas vraiment. C'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus Euh... Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Alors, c'est mieux Oui. Je pense que ça va. Oui, ça va bien, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec Euh, non merci, ça suffit pour aujourd'hui. Dans un magasin de chaussures. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine Oui, madame, quelle pointure faites-vous Je fais du 38. Voilà alors ça va Non, c'est c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39 Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer Oui, pourquoi pas Alors, ça vous plaît Non. Pas vraiment. Je vous remercie, je vais réfléchir. au magasin d'informatique. Bonjour monsieur, je peux vous aider ah, Oui, il me faut un ordinateur portable, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir. D'abord, ça dépend du prix que vous voulez mettre. Euh, je ne sais pas trop. C'est pour quel usage Professionnel Personnel Un peu les deux, mais plutôt personnel. Je me sers beaucoup d'Internet, je stocke aussi des photos. Je crée des documents sur PowerPoint ou sur Excel. Mmh. Je crois que ces deux modèles peuvent convenir. Vous voyez, ils sont tout nouveaux, avec une mémoire énorme. Alors celui-ci est un peu plus cher parce qu'il a plus de fonctionnalités que l'autre. Mmh. J'hésite un peu. Je vous conseille celui-là. C'est un modèle qui marche très bien. Je sais que tous nos clients en sont satisfaits. Vous croyez mmh. Je ne suis pas sûr. Bon, je vais réfléchir. Comme vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site internet. Chez le dentiste. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Euh, quand voulez-vous venir euh, Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, ça vous convient Ce n'est pas possible un peu plus tard Pas aujourd'hui, c'est complet. Euh, sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur Collet. c o l e t Vous avez un dossier chez nous Non, c'est la première fois que je viens au cabinet médical. Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. Heures. 19h, heures, ça vous convient 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Dans une station de métro. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet Qu'est-ce que c'est, euh, un carnet Des euh, tickets de métro. D'accord. Un carnet alors. Euh, pour aller euh, à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. Euh, C'est direct Non, vous devez changer à Palais Royal. Il euh, n'y a pas de bus euh, direct Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Dans une association sportive. Madame, je peux vous renseigner Bonjour monsieur, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure Bien sûr madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site Internet mais oui, bien sûr. C'est www.sport-ville.fr. Vous pouvez aussi télécharger la brochure. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet Non. En fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Je ne peux pas faire l'inscription par Internet si, bien sûr, à partir du 1er juin. Vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription. Vous devez aussi joindre un certificat médical pour chaque enfant. Merci, monsieur. À l'Office du Tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé par d'où Par où est-ce qu'il passe alors, il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est Place Colbert. Et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal Mais si, bien sûr. Il y a un grand bal sur la place de la mairie. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quels papiers est-ce que je dois apporter Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. Dans une station de ski. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche Ah oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. Hein. Oh C'est dangereux. Maman Est-ce que je peux prendre la piste noire Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux, avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luche sur la piste verte Oui, regarde. Tu peux faire de la luche sur la piste, là. Dans une station balnéaire. Sophie, tu as pris ton maillot de bain Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Au camping. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? Euh. Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. C'est pas normal, vous dites camping avec vue sur la mer. On voit pas la mer, qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche Les douches sont là-bas, madame. Vous plaisantez La moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Louer des vélos. Bonjour monsieur, euh, nous avons l'intention de louer des vélos s'il vous plaît. Oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps euh, Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée euh, Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr vous me laissez un chèque de caution de 150 euros par vélo. Et je vous rends le chèque quand vous revenez. <laughs> pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols Ah oui, oui. En voilà deux. Bonne promenade À la banque. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers Euh, oui. Un mmh. jour, j'achèterai une maison ou un appartement. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois bon, 80 ou 100 euros maximum. D'accord. Mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Au Galeries Lafayette. Pardon, madame, je cherche le rayon papeterie, s'il vous plaît. C'est au fond du magasin, après les parapluies. Ah. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique Au rayon électroménager, monsieur. C'est au deuxième étage, à gauche, en sortant de l'escalator. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur. En bas du rayon. Laisse... À la campagne. Pardon, monsieur. Nous sommes perdus. Nous cherchons le château de Bazoche. C'est loin d'ici Non, pas du tout. Vous prenez cette route là devant vous, vous faites 3-4 kilomètres et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte vous passez devant l'église et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau château de Bazoches. Ce sera à droite ou à gauche euh, euh... Euh. À gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Un objet perdu. Où est mon portefeuille Je le trouve plus. Il n'est pas dans ta poche Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voyons, qu'est-ce que tu as fait Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois Chez le fromager. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager Non, 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 j'ai payé et puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue. Ou alors, on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé. Parce que j'ai entendu un bruit. Mais je n'ai pas fait attention. Zut. Qu'est-ce que je dois faire maintenant Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Une maison à louer. Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez Oui, c'est une jolie maison ancienne, avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge Oui, il y en a un dans la cuisine. À propos des vacances. Alors, qu'est-ce que tu en penses On va en Bretagne ou en Normandie oh, Moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Ah, impossible de choisir. Alors si on allait en Provence. <laughs> Le pont. Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai Vous faites le pont Vous prenez des vacances Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons deux jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne En avion oh, mais une heure environ. c'est rapide. vous allez à l'hôtel? à madrid, nous allons chez des amis. à lisbonne, nous allons à l'hôtel. c'est la première fois que vous allez en espagne. pour mon mari, c'est la première fois. mais pour moi, c'est la troisième fois. les préparatifs. alexandre, tu viens? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais Ah, tu fais les bagages Oui, qu'est-ce que je prends Notre sac de voyage rouge ou la valise noire ah, C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable L'appareil photo Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Et est-ce qu'on a une carte de la Grèce Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Alors, comment est-ce que nous allons à l'aéroport En bus En bus ou en taxi Quand est-ce qu'on part exactement Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part L'avion part à 7h10. Donc nous partons de la maison à... 5h du matin, je vois. Une chambre avec vue. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, pour deux nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9... Un instant, s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave. Beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre Elle est à 90 euros, monsieur. Petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur... Gautier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue Oui. C'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Euh, je travaille beaucoup. Ah bon vous organisez une réunion Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressé, non Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence, j'organise les voyages, je vérifie tout. Allô Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai une réunion. Je vous en prie, Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Hein elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères Est-ce qu'Anatole parle anglais Mon fils Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi Parce que je travaille avec une jeune anglaise, Jane. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée. Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères Ah, oh, non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie C'est terrible, mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Euh, bonjour, monsieur. Euh, je voudrais parler à Véronique Dumorier, s'il vous plaît. Euh, elle est là euh, Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô Bonjour Véronique, c'est Mathieu le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h mais euh, euh, j'ai un petit problème, euh, je suis un peu en retard, je, je suis désolé. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure Véronique. Au bureau. Allô Salut Sébastien, tu es là demain nous avons une réunion importante de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre... Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard. Bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à douze heures. Pardon, à deux heures? Non, à douze heures, à midi. Ah, D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame Langlois. L-A-N-G-L-O-I-S. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour bonjour madame je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport s'il vous plaît pour quel jour et pour quelle heure euh, pour samedi 31 à six heures à six heures ou à dix-huit heures à six heures du matin j'ai un vol pour budapest à sept heures cinquante d'accord monsieur quel est votre numéro de téléphone c'est le zéro six 00 57 98 75 Quelle est votre adresse 67 avenue Jean Jaurès. Très bien, votre numéro de réservation est le J68 93. Euh, pardon, 96 Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Ah. ah. Alors nous avons un saumon grillé avec du riz Ah non. Je voudrais juste des légumes. Juste des légumes Une assiette de crudité, alors Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits une assiette de frites. Ah non, quelle horreur. Ah bon. Une assiette de riz avec des haricots verts. Oui, très bien. Euh, sans beurre les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre. D'accord, mademoiselle. Ah oh, les clients. Un contretemps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contretemps. Ah, la voilà Me voilà Je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard Oh, quelle aventure Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivé à la gare, on annonçait, à la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu. Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, hein, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir j'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures. Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique, mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu des mésaventures? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque deux heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise. Mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Bah oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. Trois jours après, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh, ma pauvre, c'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, euh, ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulé. J'ai eu le coup de foudre pour cette région et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier hein Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert. Avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas Effectivement, nous habitions mon ex-mari et moi dans une petite ville, pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, et ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule, je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile. Vous voyez, je n'allais pas bien du tout. Quel changement Et finalement, que s'est-il passé, Madame Lambert eh bien j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse crise, mon mari et moi, et, et finalement nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Mon mari a gardé la maison. Vous vous êtes mise à travailler Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à trouver un emploi. Peu après j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon. La vie réserve parfois de belles surprises. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe c'est moi qui ai la garde des enfants, mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Les enfants entretiennent aussi une bonne relation avec mon ami. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie Je suis très heureuse. Je suis vendeuse dans une boutique de bijoux en plein centre-ville. J'adore ça. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et apparemment, j'ai un certain sens commercial. Quel changement vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle ah Oui, pour moi c'est très important. Mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Et mon compagnon est un amour. On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, euh, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment Vous pouvez les décrire ben, Ils étaient assez jeunes, euh, plutôt grands, bruns si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir. Ensuite je me suis levé et à ce moment-là, les deux hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite, c'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13h, le journal Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu, il a salué ses amis et il est rentré chez lui, depuis plus rien. Quelles sont les hypothèses A-t-il été enlevé c'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire Arnaud Le Maire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmenée au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà raconté. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête Je ne suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses dix ans de mariage. Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage précisément. Ah bon Pourquoi Tu es jalouse de sa femme <laughs> Non, je te taquine. Un débat. Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve euh, plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, ouais. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre, ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion, ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la réunion l'autre jour. Quelle réunion Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu veux dire que je mens Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, épisute J'en ai assez. Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé, il n'aime pas les grands groupes. Ben, nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que six. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur, et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement Ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. Du coup, Alain est resté sans voix. Pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Et précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition c'est facile, et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction, si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes. Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État est la relation avec l'Europe, ou plutôt l'Union européenne. Justement. J'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union européenne. Qui fait quoi Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale Ouais. Les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande Oui, bien sûr. C'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça C'est joli. C'est en quoi Attention, ça se casse. C'est en verre. Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur. Mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique Ah oui, bonne idée On pourrait aller dans la forêt, c'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas Et qu'est-ce qu'on emporte On pourrait prendre du jambon, du pain. Des tomates Et si on achetait des gâteaux pour le dessert Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça Bonne idée. Euh, N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion s'il vous plaît. Oui, monsieur. Euh, C'est pour vous ou pour un enfant C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre euh, Non, je ne crois pas. Non. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez deux comprimés deux fois par jour. Euh, je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il touche Oui. Et il, il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop quatre fois par jour. Une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé Je me suis cassé la jambe. Oh, bah je vois Comment vous avez fait ça oh C'est vraiment bête, je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses, j'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée un étage plus bas. Alors maintenant, j'ai la jambe dans le plat pour quatre semaines. Oh, ma pauvre Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Chez le médecin. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas Ah, vous boitez Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville s'il vous plaît. Ah oui oui, elle est enflée. Hein. Tournez la cheville vers moi. Aïe. Aïe. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, Aïe. ça fait mal. Ah oui oui, ça, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais Tu aimes la littérature alors Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque Ah oh non. J'ai horreur du cirque. Une baby-sitter. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupée d'enfants Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. Euh, D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Ah. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait trois enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés Ah, oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce projet Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Une fête d'anniversaire. Jane Oh, ça oh, oh, alors Ce n'est pas possible. Tu es venue Eh oui C'est ton anniversaire aujourd'hui, non <laughs> Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir Ah, j'ai mes petits secrets. <laughs> non, en fait, euh, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. <laughs> C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. <laughs> eh bien, champagne Entre deux mers. Alors, comment s'est passée la rentrée Bien, ma fille est en quatrième. Mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non Et votre fils Thibault Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler. Il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier Euh... Je ne me rappelle pas bien, je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti Ah... Si, je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un Euh... Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas téléphoné à la police Non, je crois que c'était juste une dispute. Au commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu euh, Il était assez grand, euh, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes. Euh non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé euh, Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabault. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, euh, j'ai rien remarqué de spécial. Un dîner entre amis. Qu'il est beau ce collier. D'où est-ce qu'il vient Ces couleurs sont magnifiques. Je crois que ça vient d'Afrique. C'est un cadeau. Oh, C'est splendide. Ça te va très bien. Merci. Et toi, tu as toujours de belles écharpes. Hum, je ne la connais pas celle-là. Oh, Qu'elle est belle. Où est-ce que tu l'as trouvée oh, Dans une petite boutique à côté de chez moi. Que tu es élégante. Cette couleur te va très bien. En plus, ça va très bien avec ton manteau. Si je comprends bien, nous sommes belles, nous sommes élégantes, et nous allons certainement bien manger ce soir, car le dîner sent bon et a l'air délicieux. <laughs> Avant une fête d'anniversaire. Quelle nappe est-ce qu'on met La blanche, c'est la plus jolie. Celle-ci Non, non, non. Celle qui est dans le placard du bas. Quel verre est-ce que tu préfères euh, Ceux qui sont dans le buffet, sur l'étagère du haut. Je prends les assiettes qui sont au-dessous. Oui. Celles qui ont un motif bleu. Le temps qu'il fait. Mmh, Qu'est-ce qu'on fait demain On va à la plage mmh, Oui, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourra y aller. Tu te baigneras Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. S'il ne fait pas beau demain. On ira en ville faire des courses, non mmh, Oui. Même s'il pleut, ce sera agréable. Dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin alors, il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile Oh, quelle question, bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile Il faut aussi que nous demandions une connexion internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Ouais, il faut aussi créer un site internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Dans la rue. Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va Oui, bien. Merci. Et toi Pas mal, merci. Tu vas au travail Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez non. non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée. Et à bientôt Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Monsieur Catastrophe. Oh pardon, madame Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oh, ce n'est rien, monsieur. Ouh. Il n'y a pas de mal. Je suis désolé d'être en retard, j'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas encore commencé. Louis Louis Isabelle, oh pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Un ami téléphone. Oui, allô Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Euh, je peux prendre un message oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur, sur mon mobile Il a votre numéro Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci madame. Au revoir. Dans une entreprise. Société Reflex, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est de la part de qui De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez Vous voulez laisser un message Non, merci, je le rappellerai plus tard. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez C'est fatigant Soufflez Levez la jambe droite, baissez-la Vous allez faire le même mouvement dix fois de suite. Dix fois N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non. Je vais voir des courbatures. <laughs> Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors Dans un jardin public. Jules Viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon, et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable Un vieux papier Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Une mère et son fils. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir Ben non, je n'ai pas cassé le plat. Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon Il y a des bonbons Oh, oh. c'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste, tu m'accuses toujours. Mais non, mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande, tout simplement. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose mmh. Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ah, Je suis vraiment désolée, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café Non, désolé. Je ne peux pas. Je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Au bureau Isabelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévenir Alain Sabatier que je serai un peu en retard ah, autre chose, il faudra envoyer ce fax aujourd'hui parce que j'ai besoin d'une réponse rapide. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Zut, je ne sais pas si le fax marche bien. Odile, tu peux me donner le numéro de fax de la société BNH Oui, tiens, le voilà. Dis-moi, ça t'ennuierait de répondre à mon téléphone pendant quelques minutes Non, pas du tout. Je fais passer ce fax et je m'installe à ton bureau dans un instant. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller Arte en Italie C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur, c'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante, donc vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. un projet intéressant. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui. oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Et je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux. Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales Non. À part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. C'est un joli quartier maintenant. Quel changement Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Euh, vous voyez là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35%. Tu regrettes cette période La ville était différente quand tu étais jeune Ah oui, certainement. Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des œufs à un petit paysan. Je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme là. Il y avait une ferme mais c'est un centre commercial maintenant, bah ben oui, c'est normal, tout évolue. Tu sais, je, je suis né au siècle dernier Tu regrettes cette période ben, quelquefois, oui, mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant Tu vois mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé finalement Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Ah, quelle merveille. Imagine le Médoc ou Saint-Émilion, avec les vignes dorées, les raisins. Les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de pomme-rolles et une de saint estèphe Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avalon. Oh, il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Epoisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région? Non, il est resté quatre jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné. Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire. Une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azel-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé Oui. On s'est couché à 10 heures, on s'est levé tranquillement, on s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances Les dernières avant l'arrivée du bébé, non Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin J'ai fait le ménage. Ah bon tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule? Tu n'as pas pris de femme de ménage? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est ce que tu as fait? Ben, j'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise? Mais non, en montant sur un escabeau, je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à quatre-vingt-cinq ans, eh bien quoi, quatre-vingt-cinq ans. Les jeunes ont peur de tout maintenant.